réseau Les Premières, c'est un réseau national implanté en France métropolitaine et dans les territoires ultramarins qui accompagne les femmes et équipes mixtes qui cherchent à créer une entreprise innovante avec une dimension sociale et environnementale en proposant des formations, de l'accompagnement, du conseil sur toutes les étapes de la création d'entreprise. Oui, j'ai l'impression que c'est dans la tendance du moment de se préoccuper et de durabilité, de développement durable et d'entrepreneuriat féminin. Si on s'est positionné sur le créneau, c'est parce qu'il est aujourd'hui communément admis qu'une femme qui souhaite créer une entreprise aura généralement plus de difficultés qu'un homme pour par exemple trouver un associé, trouver des fonds, vendre son projet, alors même que c'est intéressant, une fois l'entreprise créée, c'est généralement plus durable, source de réussite aussi qu'une start-up créée par un homme. Il y a une véritable volonté de conduite du changement, ça c'est certain, et au niveau des organisateurs et au niveau des différents représentants des pays que j'ai pu croiser. Donc j'ai l'impression qu'on se retrouve là-dessus, qu'on se retrouve aussi sur l'envie de s'approprier, de participer à la réflexion autour du développement durable européen par rapport aux petites entreprises. Donc beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie de réseautage également, à voir à la fin de la journée, mais il y a une vraie envie de faire communauté, j'ai l'impression.